Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 196 dont on en parle. Je sais pas quoi dire. Aujourd'hui on va parler du film Spider-Man No Way Home qui est sorti aujourd'hui même. Et dont vous voyez cet épisode normalement aujourd'hui même. Je viens de sortir du film il y a même pas une heure. Il est genre 18h12 au moment où j'enregistre ça. Et d'habitude, je laisse ce moment vers la fin des vidéos, mais je vais quand même garder ça pour la fin de la vidéo pour la note. Quand on tout de suite parle le résumé du film. Dans ce film, eh bien, après la révélation de la fin du film Far From Home, eh bien, Peter va tenter de vivre une vie classique, malheureusement ça ne va pas le faire. Il va demander donc de l'aide ensuite à Doctor Strange pour que tout le monde, à part quelques exceptions, ne se rappelle plus de son identité, que Peter Parker est égal à Spider-Man. Malheureusement, le sort va être raté, et donc des vilains de d'autres univers vont se ramener, tels que le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, Venom, qui a été d'ailleurs vu dans Venom 2, bien sûr, l'Homme Sable, Electro, j'allais dire le Docteur Connors, mais oui, du coup, le Lézard aussi, et c'est tout, j'ai vu des personnes normalement. Et leur objectif étant de les ramener dans leur univers après les avoir aidés à se soigner eux-mêmes de leur fonction. Je ne vais pas faire de spoil dans cet épisode. Si vous voulez voir un épisode avec spoil, je vais enregistrer juste derrière un épisode On en parle plus, qui est la version avec spoil dont on en parle. Et elle sortira, la vidéo demain sortira le matin. Parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et je vais en faire 4 vidéos. Ça m'est jamais arrivé avant. Point positif, l'histoire. Tout ce qui se passe dedans. Juste incroyable, les musiques, les événements. Point négatif, j'en ai pas. Et vraiment, en plus, j'aurais beau avoir cherché. Je ne trouve pas de point négatif. J'ai discuté rapidement avec quelqu'un qui avait rapporté quelques points négatifs comme le fanservice ou bien d'autres événements qui se passent, mais ça partira plus dans le côté spoil, je ne vais pas en parler là. Personnellement ça ne m'a pas forcément dérangé. Pour me déranger il faudra aller un peu plus fort. Note sur 10. Je vais mettre un 10 sur 10. C'est arrivé très rarement dans l'histoire dont on en parle, mais là je vais vraiment mettre un 10 sur 10. Parce que là, je ne sais pas quoi mettre. Je peux pas mettre moins. Et franchement, si je pouvais mettre plus, j'aurais mis plus. Donc bon. Malheureusement, je peux pas dire quoi que ce soit de plus, sinon ça va dans le spoil. Et ça va aller dans l'épisode de demain matin. J'espère que cet épisode dont on en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Brian 5. Je vais vous dire, enjoy.